Tu peux le prendre ici, mais on peut le mettre aussi sur le... Oui, j'aurais besoin d'aide, je pense que c'est lourd, ça. Tu veux qu'on le sorte maintenant? Non, non, pas maintenant. Non, regarde, là. À Barcelonnette, Hélène Homps est conservateur du musée de la vallée de l'Ubaye. Pendant plus de 100 ans, les Barcelonnettes sont parties émigrer au Mexique. Certains sont revenus, fortune faite, dans le commerce et le textile. Et c'est leur histoire qui allait faire un jour le parcours d'Hélène. Je vous ai amené ici dans les entrailles de la Villa Bleue en chantier parce que c'est là que débute en fait mon parcours personnel et professionnel tout court à Barcelonnette. Il y a 25 ans en arrière, j'ai eu l'occasion par hasard de venir à Barcelonnette et étant alors étudiante en histoire de l'art, on m'a fait faire le tour des villas mexicaines de Barcelonnette. Et j'avais beau ouvrir les yeux, je ne voyais rien de mexicain dans cette architecture de villégiature très élégante. Et j'ai découvert là l'histoire de cette émigration vers les Amériques au début du 19e siècle. Je suis revenue à Barcelonnette et avec un sujet en poche, celui de faire un sujet d'histoire de l'art, un mémoire de maîtrise sur cette architecture. Et pendant 2 ans, je me suis retrouvée en relation continue avec à la fois les propriétaires des maisons, mais aussi les descendants des chauffagistes, des peintres, de tout l'ensemble des ouvriers qui a été intervenu sur ces chantiers. Et je me suis retrouvée assistante auprès du conservateur à la Sapinière, dans cette jolie villa que j'étais là pour étudier. Derrière moi, on peut découvrir le vitrail, malgré le chantier. Donc au premier plan, des métiers à tisser pour montrer les tissus qui sortent des machines. À gauche, vous avez les usines avec des cheminées très hautes et qui fument. Et à droite, on a la silhouette du grand magasin que le propriétaire possédait au cœur de Mexico, la fameuse Francia Maritime. Le musée, c'est le même cas de figure, simplement on est quand même 50 ans en arrière. On est première génération des maisons construites avant 1880. Cette exposition, c'est encore le fruit d'une rencontre. D'un côté, les descendants de Jules Lyons, qui ont retrouvé des plaques de verre dans leur bureau, dans le bureau de la villa. Et puis de l'autre côté, un obstétricien de Tours qui a retrouvé dans sa maison familiale, à nouveau des plaques de verre. Des photos qui avaient été faites 100 ans en arrière par une femme, la femme d'un émigrant barcelonnette. Et puis de l'autre côté, Christian de Joie qui nous a dit « Mon grand-père était de la Vienne, je sais qu'il a émigré au Mexique, mais racontez-moi l'histoire. » Et on lui a dit « Mais ça c'est l'histoire d'un tel, un tel, il y a tel et tel émigrant, et votre grand-père faisait sans aucun doute partie de ce réseau-là. » En 1997, j'ai présenté le concours réservé d'attaché de conservation du patrimoine organisé par la fonction publique territoriale. Et en janvier 2004, je suis devenue chef d'établissement au départ à la retraite du conservateur précédent. Alors on a traversé la rue, on est juste en face du musée et derrière moi, vous apercevez la villa d'Émile Chabran. On a la chance d'avoir donc des descendants des émigrants, de ceux qui ont émigré au Mexique, qui sont soucieux à la fois de laisser une trace, mais surtout de témoigner du parcours de leurs ancêtres, et qui songent au musée pour conserver cette mémoire. Hélène est une conservatrice qui n'est pas figée dans son musée, au milieu de ses collections. Hein. Elle passe son enthousiasme, et que nous avons envie d'ouvrir les tiroirs, d'exhumer des vieux documents. Alors, de temps en temps, on lui dit, tiens, on a trouvé ça, qu'est-ce que ça donne? La trouvaille de cette année, c'est ni plus ni moins que la version illustrée photographique du récit de voyage d'Émile Chabran. Donc, c'est des photos extraordinaires qui associent tous les continents qu'il a visités, l'Asie, l'Afrique, les Amériques. Bon, ben voilà. Ici, nous sommes devant la fabrique textile de Santa Rosa, qui a été inaugurée en 1898. Et c'est le propriétaire de la villa La Sapinière où est installé depuis 1988 le musée, qui l'a construite dans l'état de Veracruz, au Mexique. Une fabrique textile qui fonctionne toujours aujourd'hui. Et je me suis retrouvée à dormir à l'intérieur de la fabrique, dans le bâtiment administratif. Là, précisément là. Je me suis dit que j'étais passée dans l'image. Et depuis 2001, je dois dire que c'est devenu encore plus une réalité, puisque j'ai un de mes enfants qui a décidé de vivre aujourd'hui au Mexique.
Si le parcours d'Hélène vous intéresse, rendez-vous sur le site de France 3 pour les détails et les coordonnées.